Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous très contents de croiser avant dans l'émission Bâti Haïti. Quel que soit côté où il y a, dans la machine ou dans la radio, la caillou, dans tout le pays, a, ou bien l'autre bord de l'eau, ou même tout, qui a gardé nous tout à travers réseau téléguinéen, quel que soit côté où il y a, la caillou dans tout le pays, a, ou bien à travers le monde entier, nous très contents avant dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est une émission de rêve, c'est une émission positive. Côté que n'a pas goûté pour nous qui sont capables de faire avec pays ça son don et pays côté que les ancêtres nous ont permettre nous mêmes qui vivons là journée aujourd'hui à joindre et nous connaît c'est avec sang c'est avec du feu c'était coupé tête boule caille mais nous mêmes génération qui c'est petite petite yo nous vivons là journée aujourd'hui à pour nous organiser nous pour nous vivre ensemble pour nous développer pays ça parce que son don que lié nous pas capable acheter et c'est lui même seulement qui gagne. Et c'est nous-mêmes seulement qui sommes capables de penser à lui-même. Tout le monde qui vient à nous coûte main. Je ne dis pas, nous sommes en Carrefour. Nous sommes en Carrefour côté que nous n'avons pas pour aller vers l'élection. Nous sommes en élection. Nous sommes en bataille électorale. Nous avons un choix côté que nous sommes dans un petit pays de diriger. Et nous-mêmes tout, c'est nous-mêmes qui avons retiré la liberté que nous avons remettre, que nous avons choisi. C'est le système de démocratie. Non pas M. Jean-Lucien Borges. Avec moi, je ne dis pas, moi gagné ministre Jean-Fritz Jean-Louis qui c'est ministre qui chargé des questions électorales. C'est ministre ça qui entre exécutif là et KEPA. Ministre, bienvenue encore dans l'émission Bâti Haïti. Merci Boj, bonsoir à tout auditeur téléspectateur Bâti Haïti. Je salue l'équipe technique là, ils sont plaisir pour moi ça avec vous après-midi. Bon, je dis à et que nous connaissons quel que soit mon nom dans le pays là. Et même l'autre Bordeaux l'a suivre, nous, à quelques jours de l'élection présidentielle. Il y a une élection côté peuple à lui-même, qui a choisi 57e président PIA. Et il y a deux, non, parmi tous les candidats que nous avons derrière YouTube. Ça, c'est l'inscription. Nous sommes capables de voir tout le monde qui a inscrit, tout un gouvernement qui gagne. Et chaque monde qui l'a dit que c'est lui-même qui va le président. Et des dominants, il y a deux qui arrivent en finale. Donc c'est Jovenel Moïse, candidat PHTK, et Jude Célestin, qui c'est la paix. Donc, il y a protestation, il y a contestation, qu'elle soit Jean-Vel là, et en même temps, tout, il y a un engouement des deux côtés. Et au même, KEPA, au même qui est avec l'exécutif là, et ça n'a pas tant de dehors, avec ça, quand dans ces deux bas différents. Et nous-mêmes, Radio Télé Guinée, comme nous dit, nous c'est OneSat là, et nous respectons les règles là. Donc, comment que, où y est journée aujourd'hui, et comment qu'a décrit la situation pour nous? Bon, je dis, il y a un processus électoral qui démarre en Haïti depuis le mois de février, l'année dernière, avec toute activité qui a gagné dans le calendrier électoral là, et depuis l'on était parti, nous sommes parti pour un processus électoral qui est très long. Donc ça, nous avons commencé la partie visible. Là, nous avons commencé à exécuter en réalité en août, à partir de la première élection législative, qui lui-même a gagné un bon bagage qui était mérité corriger. À partir de ça, il mérité corriger. Nous avons retourné en octobre, le 25 octobre, nous avons gagné une deuxième journée électorale qui lui-même a satisfaction générale jusqu'à 6 heures du soir. Côté tout le monde d'abattre bravo là contentement, dit que t'es un bel exercice démocratique qui t'est fait. Je me suis dit, jour ça, m'était passé la CAO pendant journée. Et dans tout point de presse qui t'est fait après eux, dans tout rapport qui t'est commencé à sortir de dimanche pendant journée jusqu'à lundi après-midi, mardi, tôt dans la matinée, c'était on retirer chapeau, gagner un très bel travail qui fait, gagner une journée électorale qui peut
j'aime rivé comme ça j'en ça a dépassé. Mais à partir de ça qu'on est élection en Haïti toujours des contestations sous lui toujours des parler en pile. Tu gagné des parler en pile qui t'est commencé bon, ni rentrer dans jouet démocratique haïtien. Nous gagne style propre à nous-mêmes, nous gagne tempérament pas nous politiquement. Et je dis à arriver dans phase côté que faut processus la fermer, faut le boucler. Nous gagnons en journée électorale qui était programmée le 27 décembre. Mais sous journée 27 décembre, nous avons beaucoup de réserves qui te suivent par l'empile qui, malheureusement, sans preuve, pas qu'à supporter, te demandé un ajournement journée 27 décembre. Donc, on s'apprend pile par l'empile, discussion, commission qui a fouillé, qui a cherché fraude, rapport commission, montée, descente. Bon, nous venons tomber dans. CEPA qui proposait une nouvelle date pour qu'un dernier jour de vote ça. Et je dis à nous, moins de 72 heures de journée ça. Et je pense que techniquement, tout bagaille fin prêt pour dimanche 24 janvier, gagner une journée électorale qui pour fermer le processus là. Bon, avant nous arriver là, nous connaissons que la 50e législature est entrée, gagner 24 sénateurs, ouais. Gagner 92 députés. Qui formé, qui l'a, donc 50e législature, l'ILA. Il démarre. Il sorti dans l'élection, dans même KEP. Ça, c'est une première grosse victoire processus ça a gagné, parce que c'est quand on a un mariage, il faut le consommer. Et moi, je pense que consommation, première et élection ça a qui fait pendant l'année 2015, là, c'était la satisfaction de voir. Exécuter la rentrée parlementaire côté sénateur prend place côté député même tout prend place qui c'est résultant processus électoral ça qui démarre que nous on a dit là depuis mois de février qu'on y a un travail nous qu'on a gagné de gros travail qui commence à faire sous municipal lieu gagné en quantité qui là processus là continuer pour nous capable arriver installer tout mais à partir de résultat municipal lieu. Et je pense à partir de dimanche, un deuxième groupe après le franchi, côté élection après le fait pour le deuxième tour présidentiel. Là encore, pour avancer vers boucler le processus électoral. Ça. Bon, nous arrivons là et nous connaissons tout, autant de ça qui a passé. Alors, nous n'avons pas qu'à Radio-Télé-Guinée, c'est Jean Lia. C'est Jean Lia, non seulement entendre, mais en même temps, tous ces gens Lia, well, garder le Jean Lia, entendre le Jean Lia. Gagné jusqu'à présent. Deux candidats. Depuis résultat définitif, Tefin Baye gagné conseil électoral a dit lui-même il y a deux candidats qui maintenus pour le second tour. Et me pense jusqu'à maintenant conseil électoral a avancé à Zouti Saknamel là, deux candidats admis au second tour. OK. Ça n'a pas essayé apprendre n'a pas essayé, pas oublier nous toujours les têtes dans l'université populaire, nous permettre tout le monde, à quel que soit niveau, à, nous mettre descendre bas pour nous monter plus haut en même temps pour tout le monde comprendre. Donc, tout groupe qui est formé, par exemple, G8, G30, etc., groupe ça, par rapport à l'égalité, est-ce que c'est des groupes politiques ou du moins que légalement que KEPA ou bien nous-mêmes dans l'État, nous avons supposé avec eux, et dans l'exécutif là, que nous avons fait avec eux par rapport avec l'élection? Non, le droit d'association sont droits consacrés par la Constitution haïtienne. Alors expliquez aux populations. Moi, je pense que le gouvernement, ça, exécutivement, il y a depuis le monté, nous aider à protéger le droit ça au maximum. Ça veut dire que tout le monde qui a associé, tout le monde qui a fait réunion, tout le monde qui a dit ça et ouvre. Et certaines fois, même penser que la liberté d'expression qu'on arrive tellement loin que le monde dit même ça, il va pas dire. C'est-à-dire, je pense sous des. Leader politique, sous des candidats, sous des gens qui ont une velléité de diriger le pays, ce n'est pas là pour droit ça t'a bloqué. C'est-à-dire, je pense que tout droit tout pour mettre tête en association, j'en veux, parce que vous croisez son chemin politique, vous croisez un processus électoral, pas rien qu'empêcher, vous mettez tête ensemble pour continuer à faire des routes qui sont longues ensemble. Au contraire, son dynamique, nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous encourager, parce que plus vous mettez tête ensemble, je pense que c'est moins ça que les partis politiques, mais seulement seul ça nous a souhaité. Ce n'est pas ça nous relève la solidarité dans le mal là,
qui a appliqué côté c'est chaque fois que pour bail écraser tout nèg met tête ensemble mais quand pour construire chaque nèg a essayé fait petit grain bloc par pour voir s'il a fait construction par nous passé nous ta souhaité que dynamique ça arrêté collé et toute structure ça a évité pays a puis devant l'on pral gagner de nouvelles élections fait face à pléiade de partis politiques et pléiade de candidats que nous souhaitons vivre l'autre jour parce que yo rentré dans dynamique de travail ça maintenant niveau gouvernement nous pas aucun problème à ça yo c'est les haïtiens quand tout haïtien et à chaque fois la nécessaire pour nous ta parler avec yo n'a pas là avec yo en tant que des citoyens haïtiens et à chaque fois il y a des qualités que yo doit gagner parce que dans le processus électoral là il est clairement défini depuis le décret électoral là à qui moment ou gagner titre moun ki nan processus la et à qui moment perdu c'est-à-dire à chaque fois que conserver titre moun ki nan processus la n'a pas là avec eux nan qualité ça et leur perdu titre ça tout n'a continuer parler avec eux en tant que citoyen haïtien avec nouveau titre ou nouveau qualité que yo gagne donc si bien comprendre c'est-à-dire que élection ça catégoriquement li adressé à deux moun à deux premiers yo qui c'est monsieur Jovenel Moïse il adressé à plus que deux monsieur Jules Célestin il adressé d'abord ensuite, à adressé à deux candidats et l'adresser à toute reste population haïtienne c'est dit me penser c'est palier qui différent mais tout le monde a droit de citer tout le monde a mot pas pour dire parce que c'est avenir chaque grand haïtien qui a parlé dans l'élection cabinet mais en termes de candidat à la présidence sur le processus électoral 2015 qui a abouti en 2016 là je dis à me penser si on doit parler de candidat on n'a que deux candidats à la présidence sur lesquels on peut parler encore, c'est M. Jovenel Moïse et M. Jude Célestin. Bon, dans le cas nous, que tout auditeur nous, tout téléspectateur nous, Wally, son seul campagne que nous recevons, c'est campagne Jovenel Moïse, puis HTK, et la paix, Jude Célestin, n'est pas manifestée, pas, ni dans l'invitation, ni dans la campagne. Donc, il dit, alors, pas qu'à dire, il dit, parce que Radio Guinée n'a pas fait ça, mais nous pas ouais entendez que qui ça recevoir de candidats moi même on pas connait en contact avec KEPA comme ou même ou entre KEPA et exécutif là qui ça dit jusqu'à minute ça qui dernier contact qu'on gagne avec conseil électoral provisoire dernier contact ma conseil là c'est hier soir matin on nous parler mais c'est à partir de nouvelles technologies pendant ma voix là me fait recevoir des bagages de même tout permettre fin avoir là pour mal porter des éléments de réponse sur mais et me penser tout comme un monde qui dans la pratique politique haïtienne et gouvernement pas pour rentrer dans mode stratégie de campagne ou bien dans mode choix d'avancement ou candidat qui en dans processus électoral c'est dit chaque monde ouais bagaille l'argent par eux chaque monde définit stratégie gens par eux c'est population d'après moi qui seul arbitre qui a décidé qui est le remet, qui j'en remet, est-ce que le remet, j'ai telle campagne faite et exprimer choix le jour vote l'arrivée. Parce que le gouvernement lui-même a un mot pâle pour le placer dans un bagage comme ça. Bon, bon côté conseil électoral provisoire, donc nous tendez le jour et jeudi, si c'est tendez, mais à travers l'opinion que nous jouons, je ne parle pas d'opinion, je ne parle pas d'aucune opinion, je ne parle d'aucun autre côté, mais opinion qui vient à travers auditeurs, à travers téléspectateurs. Donc et en même temps message qui a circulé tout jusqu'à présent nous diam pour 24 janvier pas grand commencé pas fait pour le finir depuis ba la commencé pour le finir processus là qui a des difficultés li ka plus long que prévu mais seul ça certain li commencé l'a fini c'est arrivé non moment jodi a li était doué fini déjà depuis 27 décembre gagner des efforts qui étaient prêts à le faire pour voir s'il était qu'à boucler le 17 décembre et au final tu gagné des arrangements pour le fermer le 24 décembre et janvier et dit jeudi à penser nous arriver à la veille de 24 janvier à processus là à arriver dans bout le 24 janvier bon côté conseil électoral provisoire nous t'ai assisté en dernière conférence que t'ai bail côté t'ai fait connaître que t'ai prêt bon techniquement donc un petit coup de la dernière et puis après ça on a reçu vos commentaires première information nous c'est que Jean nous connaît l'élection yo fixé pour le 24 dimanche prochain et là en termes de préparatifs
Nous avons dit que nous mettons en pile accent sur le déploiement et matériel en région. Dans la dernière conférence de presse, nous avons indiqué que le matériel est arrivé déjà dans tout le département. Et là, nous commençons à prendre disposition pour que le centre de vote qui est plus loin, nous commençons à mettre le matériel là-dedans afin que l'année arrive dimanche pour que tout le centre de vote soit capable de gagner le matériel là-dedans. Je vous rappelle tout que c'est une opération qui est très complexe. Déjà préparé un kit électoral qui gagne tout le matériel là-dedans, que ce soit isoloir, que ce soit urne, que ce soit lampe, que ce soit calculatrice, procès-verbal de dépouillement, procès-verbal d'incident, procès-verbal d'irrégularité, LEP. Tout ça, il y a besoin pour faire l'élection en juin. Donc préparer le kit là déjà, c'est une opération d'envergure. Son opération prend 2 semaines pour col pour préparer Kitio et déléguer dans différents départements. Et là, j'en dis noir, nous commençons avec opération pour une OPS, prendre de chef lieu et déposer dans le centre de vote côté que dimanche, nous allons avancer avec question électorale. On a continué tout avec remise de cadre d'accréditation, que ce soit pour observateur ou cadre d'accréditation pour mandataire parti politique. Nous continuons avec l'opération SAA et parti politique, normalement, on parle avant là, continuer à passer dans la direction opération électorale là pour récupérer mandat pour mandataire capable de représenter dimanche prochain dans le bureau de vote, puisque c'est une obligation, son prérogative, je dirais, que la loi a accordé à tout parti politique et à tout candidat pour faire représenter, pour assurer que le vote là a déroulé dans toute transparence. L'autre information que m'ta approfondir avec nous, c'est que Jean nous connaît ni conseiller et différents envoyés plénipotentiaires CEPA, yo continuer à déléguer dans le département yo pour yo assurer de supervision élection. M'a rappelé que par le passé, l'élection était qu'on fait pas de gagner conseil délégué dans le département. Depuis l'élection 2010-2006, déjà, nous commençons avec conception que conseil-là, vous voyez, conseil aller dans le département pour superviser l'élection de telle manière que si on problème qui posait dans l'élection dans le département, eh bien, il y a un conseiller qui est là pour dire déjà quelle est la décision du conseil pour permettre que les journées vont la continuer et ne pas camper. Donc, c'est une raison qui fait conseiller à la région, mais même pas gagner aucune obligation pour que gagner un conseiller dans le département. Parce que, j'aimerais me rappeler, l'élection, c'est technicien qui fait, c'est mon père, c'est mon père qui fait. Donc, les pas gagner mon père, pas gagner mon père, les pas gagner un conseiller dans le département, ça va déranger le déroulement élection. Donc, ces précisions, ça m'a aimé faire. L'autre élément d'information que m'a aimé porter, c'est que là, dans le week-end, dans vendredi, samedi, nous continuons avec la formation. Et cette fois-ci, nous allons faire formation pour mon bureau de vote. Mon bureau de vote, nous connaissons que c'est eux qui moteur et c'est eux-mêmes qui réalisent l'élection. Je vais profiter de l'occasion ça pour me rappeler que mon bureau de vote, c'est des employés CEPA qui fournissent par les partis politiques. Donc, en dans bureau de vote là, nous avons 3 membres bureau de vote qui fournissent par les partis politiques. C'est vrai, les partis politiques qui font le travail pour CEPA, ils n'ont pas travaillé pour les partis politiques. Mais je vais rappeler que la loi dit, le décret électoral là, dit que mon bureau de vote, c'est les partis politiques qui baillent. Qui fait que le jour des élections, tout le monde qui est dans le bureau de vote, nous sommes représentants parti politique. 3 membres bureau, c'est parti politique qui va y avoir. Et mandataire qui est dans le bureau de vote, encore, c'est représentant parti politique. Donc, parti politique est amplement représenté dans le bureau de vote. Et comme recommandation commission d'évaluation électorale indépendante a été faite, eh bien, dans ce sens-là, c'est le PA qui prend décision pour que il fait 2 jours de formation pour mon bureau de vote, pour montrer ou ajuster connaissances dans ça qui a un rapport à rédigeons procès verbal, puisque Jean nous toujours dit, procès verbal là, c'est lui qui traduit qui ça qui passe dans la journée vote là, et c'est lui qui dit combien vote chaque candidat réalisé dans
élections. Je me rappelle tout que, alors, en guise d'information, je me rappelle que le CEPA a plusieurs partenaires dans la question de réalisation élection. Et un partenaire, c'est la police nationale, et qui lui-même sous l'obédience du ministère de la justice. Hier, nous avons eu une rencontre avec CSPN sous question de sécurité. C'est vrai que CEPA n'est pas responsable de sécurité, mais CEPA lui fait le devoir parler avec les partenaires qui gagnent responsabilité ça pour dire mais qui préoccupation nous parce que les gens nous connaissent dans le week-end qui sont passé nous gagnons des becs qui ont brûlé et là il était important pour nous rencontrer avec ces experts pour nous expliquer que structure des concentrés CEPA que ce soit BED, que ce soit BEC, que ce soit centre de vote au bureau de vote nous avons besoin que la police présente pour sécuriser afin que l'élection soit capable de dérouler dans de bonnes conditions. Et m'a dit que la réunion ça une bonne réunion côté que nous gagnons garantie de la police que toutes mesures sécuritaires yo prend déjà et que l'élection yo dimanche nous pas gagner problème pour que bureau de vote nous centre de vote yo ben yo protégé par la police nationale. Je voulais tout rappeler que nous avons fait élection dimanche pour nous élire un président, pour nous faire élection dans 25 circonscriptions pour députés, avec précision que nous avons gagné en reprise dans Kampere Maniche et nous avons gagné en reprise pour législative dans Côte de Fer. Je précise tout que ce n'est pas seulement en reprise pour législative que nous avons gagné avec présidentiel. Dans le Côte de Fer, nous avons gagné l'élection pour magistrat. Parce que les élections législatives et municipales ont été faites le 25 octobre, matériel a été incendié. Donc nous avons perdu tout procès verbal, que ce soit pour l'élection présidentielle, que ce soit pour l'élection sénatoriale, que ce soit pour l'élection députée, que ce soit pour l'élection municipale. Donc, je reprends l'information ça. Dans le Côte de Fer, nous avons fait l'élection pour président. Nous avons fait élection pour député, nous avons fait élection pour magistrat, tout. Le parti politique, la paix, son parti politique était agréé dans tout parti politique. Depuis que le parti politique, là, l'État a fait inscription parti politique, il était inscrit dans le CEPA pour le processus en cours là, donc son parti politique qui était manifesté volonté pour participer à l'élection. Le parti politique, là, les manifester volonté pour participer à l'élection une seule fois. L'Elvin inscrit pour que les agréés comme participants qui ont participé dans le processus électoral. C'est ce que dit le décret électoral. Le décret électoral a dit pour chaque processus électoral, parti politique qui est inscrit pour le processus en cours, vient inscrit dans le CEPA. Donc, lorsqu'on vient inscrit dans le CEPA comme parti politique, ou manifester volonté pour participer dans le processus électoral. C'est la première chose. La deuxième chose, jusqu'au moment où je vous parle, conseil la POCO dit que vous recevez en correspondance de M. Célestin ou de parti politique La Paix qui dit que vous n'avez pas participé à l'élection. Jusqu'à cette présente minute où je vous parle, conseil là qui c'est organe décisionnel là, POCO dit moi-même comme directeur exécutif là, vous recevez en correspondance de parti politique là. Et les autres se voient si après se voient, ces conseils la quoi chita fait réunion et ont décidé à partir de nouvelles données ça yo et les ça y a informé comme directeur exécutif pour dire voici la décision du conseil et mes instructions yo si instruction ça va manifestement illégal le directeur exécutif exécute les décisions du conseil. Bon, c'est maître Mosler Georges qui est directeur exécutif conseil électoral provisoire. Monsieur dit, et on connaît pas dans le conseil là, mais cependant, jusqu'à il beaucoup de gens ne recevaient aucune correspondance, ni de La Paix, ni de candidat Jude Célestin. Puis ensuite, on parlait de questions de BV, bureau voto et mandataire. Donc, 25 élections faites pour 25 députés. Députés. Et puis, 6 sénateurs. En fait, 25 côtés pour députés. Pour 25 côtés alors. Donc, ouais, c'est dire c'est un processus qui a continué, il y a 25 côtés là, il va le faire.
l'élection pour député, il y a rare côté moi qui gagne petit problème dans affaire magistrat qui a tout résoudre côte de fer moi et puis ou gagne sénateur sur trois départements avec ou rété deuxième tour présidentiel là qui a fait sur tout le pays. Après ça bon passé directeur exécutif là était correct dans toute ça le dit yo reflété moi-même niveau d'information que moi gagne tout pas gagne aucun changement de confiance, parce que la confiance a fait hier, oui. Hier 20 janvier. Jusqu'à après-midi à 5 heures, moi-même, tout je n'ai pas gagné aucune information qui est différente de ça, directeur exécutif, là, dit là, pendant ce temps. Donc, face à nous-mêmes, à la population, donc travail en fait? Bon, élection, puis quoi acte non-élection? À part de, ou même qui finit pour être au candidat, c'est discours. Mais depuis discours a fini passé, puis go mettre oser c'est pas peuple à reler c'est population qui peut lui-même adhérer pas adhérer à un discours choisir monde pas choisir l'autre monde c'est dire son machine gon moment le fin déraper sous pilotage automatique jusqu'à ce que population lui-même fin fixer mot parle donc je vous dis son acte volontaire son choix qu'on fait pour candidat oui c'est ou choisir candidat et puis population choisit font confiance ou les choisis font l'autre monde confiance. Aussi simple. C'est pas capi compliqué, non, c'est ça qui système démocratique là parce que sinon il tape trop complexe, dit là ça, on tape ca force au choisir, on tape gain l'autre outil me ca utiliser pour me faire c'est moins bon. C'est déléguer population a déléguer autorité le bas au monde, c'est dit c'est population pour choisir qui monde li vle ko représenter qui moun ni vle diriger qui moun ni vle gérer intérêt c'est dit dès qu'on rentre dans système démocratique là reste système n'a ka compliqué mais ça son bagay simple comme bonjour lié c'est on prérogative et on pouvoir qui nan main population là est-ce que c'est pas là c'est sous joie de population nous arrivé là oui bon là qu'on y est élection quand même passé. L'État gagne dans toute composante palio un bon niveau de responsabilité pour le prendre. Je pense jusqu'à moment m'a pas la voir là toute responsabilité ça prend parce que côté m'a pas la voir là depuis avant hier gagne de grosses opérations de logistique qui a fait dans tout pays gagne de gros opérations de déploiement qui a fait dans tout pays gagne de gros activités de sensibilisation gagne campagne de motivation gagne ça l'état pour faire cap fête et puis pour nous arriver dans jour qui pral jour côté population en lui-même pral bail disons pal et appréciation pal de travail qui fait là et de monde qui veut continuer travail nous arrivons dans un moment pour une petite pause et puis à tourner le tourner nous pas chita sur question logistique yo question sécurité et comment que processus là va avancer et qui côté nous hier journée jeudi. La ponti pose un peu tout. Auditeurs, amis téléspectateurs, nous rejoignons encore dans l'émission Bâti Haïti. Non pas, c'est Jean-Lucien Borges, j'ai avec moi dans l'édition ça, édition spéciale ça. C'est le ministre chargé des questions électorales, c'est le ministre Jean-Fritz Jean-Louis,
qui est même ce ministre qui fait pont entre le conseil électoral provisoire là avec l'exécutif là. Nous parlons, nous parlons, en même temps tout, Radio Télé Guinée, nous tous côtés, nous gardons les gens liés tout. Et journée jeudi, c'est un jour avant la campagne fermée selon le conseil loi électorale là, ou bien prolongation qui était gagnée pour l'élection 24 janvier, élection opposée selon toute note qui sortit dans le KEPA, deux candidats, qui sont candidat Jovenel Moïse et PHTK avec candidat Jude Célestin La Paix. Donc La Paix alors. Donc gagné dans l'élection ça, gagné 6 sénateurs qui supposé sortir la donne avec 25 députés. Et nous sommes de toute précision que directeur exécutif conseil électoral provisoire de Baye. Donc je ne jeudi à et nous avec ministre qui est même selon toute relation et nous même tout. Nous gagnons tout notre dans tout événement et comme on est capable de tout, nous gagnons premier pas dans le processus, c'est l'inscription. Côté près de tout candidat a inscrit avec engouement. Et derrière nous, nous gagnons premier pas qui fait là tout, c'est la 50e législature qui est entrée. Et en même temps, nous gagnons les deux candidats qui, jusqu'à présent, et au dire de ministre et au dire de KEPA, et que le candidat Jude Célestin pour qu'on désiste, pour qu'on voie légalement alors, pour qu'on voie aucun papier. Donc nous-mêmes, n'a suivre ça qu'a dit ça qu'a venir joindre nous donc ministre désistement pour qu'ils soient même dit légalement d'ailleurs désistement sont actes légaux liés il fait ou bien pas fait il va fait à moitié il va fait à moitié et pour le fait tout les gagner règle jouette là qui tout fixé dans décret électoral là les bien dit son droit que candidat a gagné à un monde qui gagne droit violer droit candidat s'il dit la pour tirer colle dans cela ouais. Même Jean tout candidat a deux voix tout pour respecter la loi d'inscrit sous l'IA qui bien décidé, bien défini qui Jean rejoint là et leur décider pendant cours là encore qui serait pour faire une lettre notariée pour dire ou pas dans processus ça encore et quand on fait ça Jean pour faire dans délai imparti qui c'est 72 heures après que candidature fin confirmé. Après que candidat. Ou bien 72 heures avant l'élection. Non, 72 heures après que candidature a confirmé. OK. Parce que là, où inscrit dans. On nous prend dans deux étapes. Là, fait qu'inscrit dans le processus électoral, là où elle a déposé pièce ou analyse qu'elle fait sur eux. Là, passer dans la grille analyse, là, c'est sous bon. Vous confirmez candidature. Là, ça, vous avez fin bon et pour changer l'idée. Ouais, 72 heures ouais. Après que liste. Définitive candidat fin sorti, la loi permet que ou écrit ou retire corps pas aucun problème dans ça. Ça son première phase. Deuxième phase là c'est le ou arriver dans deuxième tour. Là arriver dans deuxième tour à tout, gain contestation, gain un bon bagage qui ka fait que c'est un tel, c'est pas un tel, un tel te fin là, un tel sorti, c'est un tel qui rentré. Là encore, faut qu'on tann on liste sorti. L'isla ou après, il y a des cas où il y a deux personnes qui sont dans l'isla. Il y a quatre personnes qui sont dans l'isla, par exemple, dans le cas candidat au Sénat. Ouais, ouais. Et une fois que vous fin sous l'isla, encore une fois, vous avez 72 heures pour confirmer que vous n'avez pas avancé ou pas avancé. Si vous décidez de ne pas avancer et vous avez un deuxième tour, la loi prévoit, si dans 72 heures vous retirez quoi, qui exercice qui est pour faire, exercice la simple. Il n'a pas accepté qu'on retire quoi et il n'a pas retourné dans la liste de monde qui était dans le résultat et il a pris ça que poursuivre immédiatement. Il dit si jamais il y a deux personnes qui ont fait la même quantité de points que poursuivre, il a obligé de monter à tous deux personnes pour venir remplacer ou pour aller dans l'autre tour d'élection. Il dit la loi clé sous lui, il n'a pas passé son bagage qui est en pile par là, en pile sous lui. Donc là, pour être candidat tout, il y a un manque à gagner. Par exemple, on prend le cas de Moïse Jean-Charles qui vient en troisième position. Donc si ça t'est fait, donc il est trop tard qu'on y a pour avancer avec lui ou bien? Bon, moi, je n'ai pas même dit son manque à gagner. Parce que là, un candidat dans le deuxième tour, son position, en longueur d'avance, il a conservé longueur d'avance. S'il t'a fait évaluation, il t'a dit, faut pas continuer, il t'a pas qu'à retirer l'école et la loi t'a fait ça pour faire là, la loi t'a fait ce que de doit, il t'a pas qu'à rendre compte, tu constates que ça a fait dans les délais impartis, dossier ça t'a pas devant conseil là t'a tranché. Et il y a une résolution pour passer au prochain candidat. Qui lui-même doit avoir un droit tout le temps, là encore, il y a passé au plus prochain candidat.
Je dis la loi claire sur ça, je pense que c'est un dossier qui gagne en pile discussion qui est obligé de faire sur la réalité. Bon. Nous-mêmes, entre exécutif là, beaucoup de parler, mesures à prendre, mesures de sécurité, comme nous. Bon, nous-mêmes, nous avons mission, nous avons devoir. C'est-à-dire, mission, nous, est faire élection et créer tout climat qui est nécessaire, toute disposition qui est nécessaire pour l'élection bien passée. Parce que le 25 octobre, nous autres bail un exemple côté que l'État impliqué il prend responsabilité il commence à passer mais il ont l'autre gros composante là-dedans tout c'est la société à citoyen impliqué commence à passer jodi à un niveau l'État nous même nous prêts pour nous prendre responsabilité nous et jouer rôle par nous moi penser que population a continuer à accompagner processus là même j'ai été faire ça non 25 octobre et puis n'a gagné une très bonne journée électorale parce que à niveau l'État toute bagaille mettait en place déjà pour journée ça a bien passé. On allait dans la police nationale là qui équipe Téléguinée était là dans côté responsable police nationale a commencé à déployer à faire déploiement force déploiement policier en font garder pour nous comment ça est. Cadre plan de sécurisation élection 24 janvier 2016 là. C'est un plan d'opération conjoint entre la direction générale de la PNH et la MINUSTA. Il était prévu depuis hier gain de renforts qui a sorti dans la capitale là pour capable renforcer 9 autres départements géographiques qui manquaient effectifs. Hier, il y a un policier Simo, il y a un renfort Simo qui est partout dans la ville de Provincio. Et maintenant, il y a un grand rassemblement qui est fait dans la cour inspection générale. Côté en pile, il y a des milliers de policiers qui sont dans diverses unités, circulation, CEBIM et l'autre unité spécialisée encore, tant que pompiers, garde-côte. Donc nous faisons rassemblement là, c'est point de départ là, c'était inspection générale, l'ITE. Côté que nous parlons à policiers, nous faisons un rappel à eux-mêmes de l'importance de la mission. Nous faisons un briefing, côté que tout policier imbu, bien imbu de qui ça que vous pouvez faire dans le cadre de sécurisation élection 24 janvier. C'est toute unité dans la police là qui est déployée dans le cadre de l'élection ça? Effectif la police là concernée. Toute unité yo participé, que ce soit unité qui dépend de DCPA, unité qui dépend de DCPJ, unité qui dépend de direction départementale yo, inspection générale concernée, inspection générale déployée partout à travers PIA pour que nous capables assurer nous que policiers yo accomplissent mission yo
en bien que toute directive, directeur général PNH là, que directive ça y a bien appliqué et que tout bagaille passe bien. Parce que l'objectif là, pour nous-mêmes, dans PNH, c'est que nous faisons encore mieux que 25 octobre. Est-ce que les policiers ont deux mots d'ordre que nous baillons dans quatre missions pendant le déploiement là? Bon, c'est juste un rappel. Et nous connaissons une élection qui fait le 9 août, tu as une pile critique. La police là, tu prends note. Tu as une pile correctif qui fait. 25 octobre nous fait mieux. Donc, ça que nous visons, c'est que nous faisons encore mieux le 24 janvier que le 25 octobre. Donc, les policiers connaissent la mission 1. Ça a découlé dans le cadre de la grande mission générale, la police là, qui s'est protégée avec servir la population. Donc, nous sommes là pour nous capables d'assurer nous que tout le monde est capable d'accomplir le devoir civique en bien. Est-ce que toujours les mots de neutralité qui passent de neutralité qui passent? Une caractéristique, quelle que soit la police à travers le monde, c'est que c'est une force de police qui est neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune partisanerie, il n'y a pas ni à droite, ni à gauche, il n'y a pas ni pour X, ni pour Z. La police a fait travail. Seul boussole, nous, c'est la loi. Avec règlement et discipline générale de la police là. Bon, ça c'est la police qui nous est différentes unités toutes ensemble. Il y a pour aller vous sécuriser, il y a fait des déplacements. Oui, c'est quand on dit déjà et où même on t'a regardé la yeux par où t'a regardé pour te capoter le bail population. C'est des opérations de mobilisation qui démarré depuis début semaine. Qui ont même vu des résultats à partir de mardi après-midi, mercredi matin. Tout déploiement vient à fait. On allait d'abord ce côté plus loin. Et puis, unité par unité, la police va renforcer le côté que est nécessaire pour renforcer l'effectif qui était déjà dans la zone. C'est quand on était passé pour 25 octobre, nous avons même effectif là, de 10 000 policiers mobilisés. Sans compter nous gagnons MINUSTA qui mobilisé dans deux composantes liées et composantes policières là et composantes militaires là plus nous gagnons des troupes en réserve qui sont même capables facilement transporter sur les lieux pour aller renforcer si jamais on côté ça est nécessaire mais moi-même je pense que ça est capable même nécessaire dans la mesure où la population lui-même joue un rôle par là. Tout le monde a veillé, tout le monde a voté, tout le monde a pris responsabilité à permettre que journée vote là très bien déroulé. On veut la justice beaucoup de parler. La justice toujours dit à faire même bagarre là, je dis à te gagner dans niveau ministère de la justice, ministre justice là travaille avec tout commissaire gouvernement, il travaille avec tout doyen tribunal, il travaille pour mettre tout système judiciaire là mobilisé pour journée vote là pour permettre si il est nécessaire pour gagner recours à la justice ou joindre toute composante la justice sur Chital là à tendre pour bailler service quand ça t'est fait par exemple dans journée 25 octobre service d'urgence non, bon pour service d'urgence et ministère santé publique pour de gros dispositions tout pour permettre que centre ambulancier national capable réagir pour l'hôpital dispensaire capable yo même en mesure de bailler service mais vraiment c'est dernier côté nous t'a souhaité qui gagne un service pour l'obliger bailler dans journée vote là mais comme le c'est responsable obligé parer à tous les coups là tout nous très près nous capable parer pour si gon problème pour nous répondre côté service d'urgence. Bon nous va aller connait nous bon tout pour nous bon toute mesure mais cependant nous connaît tout gain en pile voix tout et cap bon au point de vue candidat d'abord participer qui pas participer gain des voix tout qui a élevé contre élection donc qui a dit gain des manifestations mais malheureusement pas qu'à bonne image de non seulement de la rue parce que radio Guinée tout gon intolérance tout par rapport au reporter nous même tout obligé mettre à l'abri les manifestants yo prend à eux-mêmes à chaque instant. Donc nous-mêmes nous obligé aller directement côté que nous gain invitation et en même temps côté que nous ca couvrir parce que nous lancer invitation à tout le monde. Donc d'abord qui mot que ou ca dit à on protestation sans même gain protestation contre élection. Au moins c'est un droit. Tout le monde gain droit d'accord, même si tout le monde gain droit pas d'accord. On pas penser personne gain droit forcer monde d'accord, personne pas gain droit tout forcer monde pas d'accord. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui équilibre le système avec le jeu démocratique là.
c'est nuance là pour commencer dans façon pour l'exprimer d'accord à la façon pour l'exprimer pas d'accord. C'est un bagage qui est normal dans toute société équilibrée. Nous pas jamais nous toutes sous même longueur d'onde. Laisse à toute société t'a monotone. Ouais. Il pas t'a bien sens, on pas t'a avancer vraiment gens là avancer. Mais connait le où gagner une structure politique ou bien des mondes qui dans politique qui appelé à diriger un pays au nom de l'amour que on a pour pays ça me pense que on devoir de protection vis-à-vis de pays ou cas d'accord cas pas d'accord mais dans chaque action pour le poser faut regarder est-ce que l'a fait pays en bien ou bien est-ce que l'a fait pays en mal et me pas penser un monde qui voulait prendre responsabilité venir gérer pays ça ou placer pour faire pays ça mal penser son pays ou là pour défendre son pays ou là pour protéger moi même qui citoyen qu'en face ou ou doué me protection parce que à n'importe quel moment ou capable de diriger moi c'est dit pour moi il vient très difficile l'on pas qu'à faire nuance entre manifestant entre militant et casseur me penser la police gagne un traitement différent que l'état doué gagne pour chaque monde ça. Mais le jour où on prend tout ou fusionner le cocktail Molotov en dans manifestation, il vient compliquer d'abord le travail de la police, il vient mettre en danger tout, sécurité, l'autre monde qui était déplacé juste pour manifester contentement ou mécontentement. Ça veut dire, même à l'interne, pour moi, il vient pas sécurisant, parce que si moi pas d'accord à combattre ou inviter les manifestants à ma voix, ou pas inviter mal prendre bâton, ni à le faire casser tête, ni à le prendre gaz lacrymogène, ou inviter à l'exprimer. Mais là qu'on y a manifestation ça va dégénérer dans voler bagaille ti machin parce que qui sont ti machin grave on ti machin sont malheureux sont malheureuses qui des fois prend ponya fait escompte pour le petit bac fritaille et pour même manifester c'est bac fritaille sont crasés d'abord pour moi c'est avant tout son preuve de lâcheté deuxièmement c'est en preuve de samdarelé non assistance parce que on malheureux comme ça c'est aider pour ta aider l'avancer c'est pas craser pour craser davantage et me pense à chaque fois type de bagaille ça fait cause ça yo perdu sympathisant on malheureux qui gon vieux taxi nan mel ou pas qu'on est fort monsieur fait pour taxi à marcher le taxi a saute fait 4 jours pas qu'à sortir peut-être pas de cob bou gaz ou bien saute pour vieux panne caoutchouc faut le changer de rechange jour et puis premier sorti il sorti c'est vite écrasé qui ça chauffeur taxi ça gavo vite machine sont crasées qui ça la résoudre dans crise ou même on dit ou gommer contre lui un jeune entrepreneur qui lui même a prêté comme pour le travail ou craser ou bouler machine que l'acheté à crédit que pour même fin payer pour le faire cette entreprise marché qui ça monde ça pour le avoir un jeune petit monde qui fait quitter l'école ou bien quitter l'université qui prête comme travail il fait économie sur lui l'acheter une petite machine neuf ou mettre du feu là dans nous bouler ou l'acheter un deuxième mon bouler est-ce qu'on rend compte qui va l'effort ou moins des jeunes citoyens ça qu'à peine à démarrer la vie pour la refaire parce que la banque là lui-même qui prête au cob là il pas gain problème non que machine dans bouler la en tant que monde conscient la comprendre mais ou pas obligé payer cob là quand même. C'est-à-dire, à chaque fois, moi, pense que le modèle de la société a fait, il n'a pas aidé la société à avancer. C'est-à-dire, je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde n'est pas d'accord, mais il doit expression d'accord, pas d'accord, il doit faire dans le respect de l'homme et dans le respect de devoir, pas parce que devoir, c'est respecter. Moi-même, je dois pas tout et devoir, c'est respecter. C'est-à-dire, moi, inviter mon à la tolérance, parce que toutes les fois que nous sommes tolérants, nous comprenons que tout le monde est droit. C'est-à-dire que c'est la vie à son question de barrière liée. Je dis, on a beau ça, demain, on va dans l'autre bord. Je dis, on a cassé vite machine, moun, pas gagné, dit demain, pas vite machine pour y'a cassé. C'est-à-dire, si que ça, pas jamais fini, tout autant nous parents nous compte que, qu'on tire retourne pour nous faire sous tête, nous, pour nous voir comment pour nous avancer à pays, ça, qui, à bon pour nous tout là. Non, Bati Haïti, et dans Radio Télé-Guinée spécialement, nous toujours fait éviter la boumé chaque jour. Pour ne pas mettre deux Haïtiens, yon a gommé face avec l'autre, ni pour yon a détruit l'autre. Mais c'est plutôt uni qui s'en capable faire ensemble. Parce que nous tous ces pays, nous tous ces mêmes cousins, même famille, nous sommes même côté, nous sommes petits, même monde, nous sommes même race. Donc, nous avons la même aspiration. Donc, je dis à tout, et nous gagnons une résolution qui prend le Parlement. Alors, 50e législature, je vais dire dans le Sénat, Sénat permanent lui-même. Mais gagner un sénateur qui sorti dans l'élection retour qui vient compléter le Sénat qui réunit qui prend une résolution
résolution compter pour mandé camper avec processus électoral. Donc nous pas dire ça au dit, n'a pas 10 minutes quand même, n'a faut regarder pour 2 minutes résolution, il passe au vote. Il voté mandé pour camper avec processus électoral. N'a pas aller en faut entrer. Président et collègues sénateurs, n'avez attiré attention nous que là il s'agit des élections du 25 octobre. Qui dit ouais que nous tous qui là, près de 14 dans nous, c'est dans l'élection ça nous sortit. Donc, si nous sortis là dans nous, mais tu as souhaité que jeudi, pour nous pas jouer avec une intelligence et population haïtienne, non? Les nous demander, moi je pensais que la résolution allait se résumer de la façon suivante, que le Sénat de la République demande au Conseil électoral de prendre toutes les dispositions pour empêcher que les joutes aient lieu le 24 octobre. Mais le fait d'ajouter, jusqu'à ce que la lumière soit faite sous question, allégation et recommandation, alors à ce moment-là, messieurs, vous êtes en train de nous souquer chaise qui gita, que nous gita jolie. Article 2. Une commission sénatoriale est formée immédiatement avec pour mission d'engager des pourparlers nécessaires avec les acteurs concernés en vue de dénouement de la crise électorale et la gouvernance de la République après le 7 février 2016. Vous entendez ? Article 2. Bon, c'est dans, au Sénat même que nous allons avoir vous, donc une résolution. Est-ce que vous touchez par résolution ça ? Bon, comme citoyen, je m'entendais bruit de lui. M'entendais, mais le beaucoup arrivé, ni l'exécutif là. Non, dans le niveau exécutif là, je ne beaucoup recevoir, mais m'entendais vent de lui. Mais première réaction sur lui, c'est bravo pour le processus électoral là, parce que au mois de cela, on n'aurait pas pu avoir cet exercice démocratique. Parce que le Parlement n'est pas fonctionnel. Moi, je pense que c'est déjà un très gros pas que jeudi, le processus électoral ça a couché de parlementaires qui permettre que l'exercice démocratique là cap fait en dans parlement. Mais la seule chose, et je pense que le Sénat particulièrement, c'est on rempart de sagesse que lié. C'est côté qui supposé une concentration de monde qui sage, qui pas agir sous émotion, qui pas agir sous impulsion. C'est-à-dire c'est un côté population envoyée des monde qui là pour tendre, comprendre, apprécier et décider orienter peuple là des côtés. C'est-à-dire moi-même, moi pense que le Sénat ça n'a pas péché par avec ça. Nous ne sommes pas à son période côté nous pas de gagner, nous qui va être problème dans la société. Je pense que nous pas bon Sénat qui vient là à grand box ou bien encore gagé pour le camp en face exécutif là. Parce que à chaque fois ça fait, même le yon deux branches ça a gagné, même garantie à chaque fois la population a toujours perdu. Et la population en tout, à chaque fois que c'est lui-même qui perdu, m'assure lui prend note et ou après joue lui-même, il prend prend responsabilité pour choisir la baïkanea, la montrer que il était content ou bien pas content parce que sous garder émanation et émergence candidat qui fait dans parlement, ou comprendre que population te comprendre et te apprécier législature qui t'est passé avant et les sanctionner ça le terrain mais le faire tourner ça le pas remet les retirer le remplacer et sous garder gens composition en fait il y a plus de pas remet que le terrain. Moi pense que ça t'a dû servir parlementaire ça de guide et de ligne rouge à ne pas franchir pour songer que leur vin là yo pas mettre ces valettes yo. C'est servir la vie là pour servir pas vinn là pour servir tête c'est des monde qui viennent travailler avec en population et population chargée problème
m'assurer ou moi-même t'a plus confortable jodi a si premier débat m'étendé dans Sénat t'ai commencé sous des problèmes de sécheresse qui a ravagé pays a depuis plusieurs mois si premier débat m'étendé t'ai allé autour de problèmes grand goût qui menaçait près de 3.5 millions d'haïtiens m'ta plus à l'aise si m'étendé problème yo t'ai allé dans sens comment résoudre indifférence nous comment résoudre difficulté politique que nous même encore nous créer même sentiment très inconfortable nous démarrer son certaine forme de polarisation qui pas annoncé le bon mais moi même comme son monde qui croit dans avancement et qui croit dans progrès mettez certains bagages qui passaient là sous le compte des erreurs de démarrage qui rapidement nous va le ressaisir nous n'a mettez nous à la dimension que nous gain pour nous mettre nous et bail population à dimension service que l'a tenir dans nous mais quand comme dit premier bagage qui fait même dans ça qui pas ta bon gon bagage qui très bon que fait exécutif ça lui même prend responsabilité nous pas de faire politique le pour nous même nous t'ai publié résultat élection qui pour te permettre que corps ça rentrer parce que nous te battre tête nos mission deuxième lundi janvier faut que pays a te commencer tourner dans stabilité institutionnelle lieu on pense on a gagné ce pari parce que aujourd'hui on a ce parlement qui lui-même commence à faire des actions et maintenant on va encore gagner un autre pari côté le 7 février n'a passé échappe là-bas l'autre président et reste là sous compte population lui-même là connaît comment pour le gérer besoin à monde que le mettait pour bal service dans cadre ça et résolution. Bon, alors si toutes les fois qu'on a reçu son bail qui est légal ou bien est-ce que parce que en général parlementaire si comprendre d'aime comprendre parce que population tous les mêmes si même pas comprendre. Donc m'pas capable explication, m'pas compte si ou même tout si toutes les fois. Le fait que bon explication sur les mêmes ou résolution et sénateur censé sortir dans même élection hein? Le fait que beaucoup recevoir très mal placé pour okay. Positionner sur parce que m'tend des résolutions, m'tend des recommandations. Yo chaque gon appréciation légale différent mais point commun tous les deux c'est que pas contraignant c'est dit c'est capable ça veut dire pas contraignant il y a pas contraignant c'est pas des injonctions que parce que changer constitution dit chaque pouvoir était dans limite pouvoir parle ou même en tant que tel autre pouvoir qui a désolidarisé ou de on bagaille qu'on ka dit ou pas remet mais ou pas gain autorité rentrer dans périmètre dans 5m50 l'autre pouvoir pour passer l'autre et al dit ça le pour le faire dans exécution mission l'exécution fonction de la mesure où lui même ni retenir de prérogative que loi haïtienne la constitution a défini bali moi pense le parlement gain limite li gain prérogative li li gain droit pour voir les yeux sur Jean pays a avancer et fonctionner mais et exécutif là tout gain une partie dans droit et dans privilège ça tout qui accordé à lui même et me pense chaque corps dans ça concerné a gagné pour remplir mission yo et ap gagner pour répondre tout devant tribunal de l'histoire. Bon en face nous là journée jeudi à ministre Jean-Frédéric Jean-Louis qui c'est ministre qui chargé vous a fait question et élection entre KEPA et exécutif là qui travaille qui sent qui ça ou même est sont sont participer à arriver à concilier et joyeux parce que même qui sont Mathias sont seule équipe qui censé jouer ou bien deux équipes qui a joué deux équipes qui censé classé pour final deux joueurs donc là comment est-ce que nous mêmes qui ça qui nous on est d'accord partition par nous jouer ou bien que nous essayer faciliter tout le monde ou bien deux ou trois système que société a permettre qui a fonctionné yo chaque avantage chaque inconvénient mais là nous t'as choisi nous mêmes système pour fonctionner on t'a choisi système démocratique là système démocratique là il y a force il y a faiblesse là. Forcely, c'est chaque monde a droit, chaque monde a devoir. Faiblessly, c'est qu'on aime ça monde à faire, qu'on pas aime ça l'a faire, faut respecter droit. Je dis à ces mêmes gens liés pour nous, dans niveau exécutif là, sachant que n'a travaillé, n'a fonctionné dans un système démocratique, nous respecter droit chaque monde. Nous d'accord à ça ne remet, même gens nous d'accord à ça ne pas remet. Parce que gè des fois dans position ça l'on la donne exécutif là gè des bagages ou obligé entériner mais c'est pas vlove si tu es bon choisi pourquoi ou t'as fait l'autre choix mais comme c'est le principe de la majorité qui remporte à chaque fois que majorité a décidé au pral dans direction ça ou vinn gagner pour passer ta propre personne derrière et prendre responsabilité citoyenne que ou dit
ou te vin là pour remplir avance ensemble avec lui dans niveau exécutif là nous mêmes côté responsabilité nous gagnons le sentiment du travail accompli parce que tout ça nous te gagné pour nous faire pour rendre processus ça possible nous fait tout seul ça nous pas fait dans processus ça c'est jambé limite pouvoir que la loi à constitution en nous parce que le danger qu'il y a les barrières sont minces à chaque fois on est toujours poussé par la tentation de pousser l'exécutif à résoudre des problèmes qui ne dépendent pas de l'exécutif. Okay. Chaque fois ça va, il y a pas jamais moi exécutif là, mais quand ça ne va pas, tout le monde vient regarder, il y a longé doit être sur exécutif là pour nous toujours on bâton dans main nous pour n'a pas mettre l'autre des côtés que nous mêmes nous pas mettre des autres. Mais à chaque fois que nous rentrer c'est des côtés qui dans juridiction nous rentrer nous fait ça ne pour nous faire mais malheureusement nous pas toujours qu'à répondre à toute sollicitation parce qu'il y a de paramètres et de périmètres qui pas dépendre de l'exécutif là même en matière d'organisation d'élection on a ça par contre qui commentaire ou bien qui sort à 10 populations qui les mêmes gagne 4 là dans même pour la voter parce que élection vient censé et pas passer là m'pas faire pronostic négatif non plus. Donc, son seul candidat qui a manifesté jusqu'à présent, qui est dans toute la rue, qui est tout côté, à travers tout le pays, c'est le candidat Jovenel Moïse, PHTK. Donc, alors que nous prenons sans ces vignes là, même genre, à qui l'autre pays là, Ndagadi? Nous pas besoin dans l'autre pays, non. Nous pas besoin de faire un gros voyage à quitter là pour aller dans l'autre pays. Vous avez un exemple là, en Haïti, vous avez besoin des exemples. Par exemple? Mon Chambela. Non va mon Chambela ou gagne des communes ou on circonscription dans grandeur par exemple ça qu'on rivé sous lui côté que on connait seulement député Sorel qui candidat pas gagné qui dit le ça pas gagné élection est-ce que il gagne monde qui t'avait l'avant non ça arrivé plus grave que ça arrivé jodi a gagne un seul candidat qui inscrit c'est un seul candidat qui inscrit ou obligé au nom de la démocratie faire élection pour un candidat valider parce que valider pas capable parce que qui s'écrivé. Il faut une validation par le vote. Même le ou gen un grand candidat, faut gen moun nan population ki sorti kale ki di c'est moun sa m voter. Même parce que pas jamais gen un seul candidat son bulletin. Hein? Un bulletin toujours gen 2 3 X candidats sou. Parce que ou gen l'autre petit côté qui marqué aucun candidat. Ça veut dire si jamais y a compté toute voiture. Il y a 100 personnes qui votent ou votent pour un candidat, même leur ton candidat unique ou pas capable. Parce que le choix ça, toujours dans la même population. On peut prendre sa population. Là, pour un bulletin électoral, il y a une photo candidat sous lui. Ouais. Mais il y a un petit casé en bas qui dit un candidat. Et le décret électoral là, dit candidat pour passer à ce candidat qui fait plus de voix. Donc, c'est vrai, si qu'on y a deux candidats. Yo. C'est ou bien un grand candidat ou bien un monde ou bien 10 monde qui votent pour vous, c'est ou cap passé. Mais si dans 100 monde qui votent tout tout 100 monde n'a choisi voter aucun candidat pas rien pour faire passer parce que là quand même il faut ce qu'on appelle la validation populaire faut qu'on ait au moins une représentation dans la société ça qui dit c'est où vous voulez sinon t'a plus facile t'a plus simple nous t'a pas que passer au vote au second degré côté deux ou trois moun chita et puis nous décider qui est ce qui représente nous tout côté mais une fois qu'on passe par la validation qui passe par le vote populaire expression populaire la folle manifestée faut peuple là eux même décider qui est obligé de diriger et au niveau président oh. Moi j'ai plusieurs notes qu'a fait j'ai plusieurs côtés que on a deux candidats bon ça c'est parler l'élection ça c'est alimentation que je dis à nouvelle technologie vous permettent information vienne plus facile moun gen accès à information beaucoup plus facilement gen des bagages longtemps faut ta faire de gros recherches pour tomber sur eux je dis à Google expression simple you have just to google it de Google il a bien joué nous c'est dit pensez nous pas une exception hein gen non paquet de bagages Haïti ta vle suivre dans ça bon yo nous suivons généralement pile fois tout dans ça pas bon yo mais nous pas unique sur la terre c'est dire pile bagaille n'a pas expérimenté jodi a que système démocratique là baille l'autre côté déjà ça veut dire c'est encore quand comme te dit tout à l'heure dans intervention là c'est les avantages et les inconvénients de la démocratie et qui m'a dit candidat Azek
Kazek, élection pas faite pour eux. C'est très malheureux que Jodia nous oblige dans une élection qui n'a pas gagné la collectivité territoriale. Moi-même, personnellement, je crois qu'on attache même à ce secteur. Ça. Pour moi, le développement d'Haïti sera communal ou il ne sera jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais caché dans la tête de Port-au-Prince pour penser qu'on a fait tout le pays à marcher. C'est-à-dire qu'il faut gagner un représentant dans le niveau de la section communale pour aider le pays à développer. Parce que à chaque fois que le pouvoir étend vers la population a des oreilles qui piprillent, qui tendent ça le besoin yo, et qui est capable de porter les revendications à aller plus haut. Je pense que la population a plus de chance pour le jeune service. Parce qu'on a un pays qui a construit, ou un paquet de bagages qui pour fait. De part au prince étant m'assurer ou pas faire développement plus loin que Mariani et plus loin que à la limite la plaine dans là, ou pas arriver plus loin. Parce que pendant une journée, si ou même de palais national là pour ta déplacer, à regarder seulement, ou à épuiser, ou pas priver trop de côté. Seul outil pour permettre d'arriver à développement, joindre la population qui a couteau dans la section communale tout coucou, quand on marche 8 heures dans à pied pour arriver là-dedans, si service doit arriver là-dedans, il faut qu'il y ait des représentants de l'État qui défendent l'intérêt. Mais comme le jeu politique, certaines fois, impose les règles, le jeu politique a voulu que ces élections pour le reste de la législative soient injustement détachées de cette journée électorale. Mais moi, penser dans le niveau exécutif, là, nous commençons à faire plaidoirie déjà pour le plus rapidement possible l'ordre mettez dans le système ça et nous fin combler reste espace qui gagne pour combler avec les élections locales. Ministre Fusion, lui, nous arrivons dans un moment côté que pour nous t'a conclu, mais en même temps, pour nous placer un mot à chaque acteur. Parce que comment c'est vous-même qui a fait, qui est entre les deux, entre KUP et exécutif là, mais quand même, vous êtes citoyen avant tout, d'adresser à chaque monde concerné. Moi, le sens de mon appel va vers la raison. Je lance un appel à la raison. Parce que nos grands pays, nous chaque là, nous avons une vision pour lui. Ça a été quoi là-dedans? Nous chaque là, t'as aimé un bel Haïti. Mais nous tous pas la même route pour nous voir bel Haïti. Ça veut dire c'est vrai route pour la capi facile dans tête ou. On s'attend route pas dans capi facile dans tête pas. Seule façon nous gagner pour nous conquérir la plus facile c'est le nous confronter idées nous, c'est le nous parler une à l'autre, le nous dialoguer, le nous mettre intérêt Haïti devant et à chaque fois nous fait ça, n'a fini par joindre route qui pi bon pour Haïti. Je dis à moi-même moi penser si priorité nous toutes c'est Haïti. En nous garder qui ça cap bon pour Haïti. Je dis, est-ce que entrer dans une époque d'instabilité, c'est le cap bon pour Haïti? Moi-même, comme citoyen, je pense que ce n'est pas bon route là pour Haïti. Est-ce que rentrer dans un gouvernement de transition, je dis, c'est le cap bon pour Haïti? Moi-même, je pense que ce n'est pas ça cap bon pour Haïti parce qu'à chaque fois, nous toujours ouais ça gouvernement de transition porté comme problème, nous toujours ouais ça porté comme déchirement en la société. Est-ce que je dis à retourner à un air côté que le pays a goûté des goûts amers de l'embargo qui pour qu'on même finisse dans la bouche nous, que nous pour qu'on jamais finisse redresser en balle? Est-ce que c'est lui qui a bon pour Haïti? Moi-même, après engagement et responsabilité, dis-moi pas quoi, c'est pas lui qui a bon pour Haïti. Est-ce que retourner dans une période de violence caractérisée, c'est lui qui a bon pour Haïti? Moi-même, je crois que ce n'est pas lui qui a bon pour Haïti. Parce que là, nous finissons faire effort sous le mandat président Matelia pour nous augmenter la quantité de touristes de plus de 500 000 nouveaux touristes. Je ne pense pas que c'est un brigandage qui va baisser ça, qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous aujourd'hui, c'est mettre le pays sur route de stabilité, c'est mettre le pays sur route de progrès, c'est créer du travail. Créer une nouvelle école, mettre l'éducation accessible, la population en soins de santé, travailler sous grand goût qui menace la population, faire des lois pour permettre le pays à capable de faire commerce international, permettre le commerce électronique là, avancer. C'est un modèle bagaille pour moi qui est bon pour le pays. Et je pense que je dis à la population a gagné comme responsabilité de choisir les gens qui sont capables d'aller dans ce sens avec lui. Et demain matin, nous avons l'autre pays, nous avons un pays que nous tous rêvons. Ministre Fusion, lui, nous avons bonne chance et bon travail. Et à peu près ici, lui-même,
a fait bon choix, élection 24 janvier. Il y a 6 sénateurs, 25 députés qui pour compléter la 50e législature et un président qui est le 57e président. Non pas M. Jean-Lucien Borge, Radio Télé-Guinée. Nous là, nous avec vous et auditeurs, téléspectateurs, quel que soit Cotoïa, Guinée, nous avons venu nous, nous avons porté pour l'actualité et nous avons porté le pays d'Haïti. Merci, ministre. Merci, Borge. C'est un plaisir pour moi. Nous avons souhaité le pays me décoller. Nous supposons changer page, le fait de voter toutes les charges.